Alors c'est quoi là, c'est une nouvelle quête. Il faut donc finir les trois objectifs pour aller dans la zone 0. Ah, faut qu'on aille à la ligue. Ah, on va se faire buter. Alors, let's go. Julien, je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la Ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du rang de maître. Et ça ne va pas être simple. Tout se déroulera dans ce bâtiment. J'espère de tout mon cœur que tu réussiras cet ultime défi. Si tu y parviens, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Donc elle est... c'est quand même une combattante, elle. Hein. Genre, même si à chaque fois c'est pas clair, pour moi c'est quand même une combattante, elle. Hein. Alors, j'espère vraiment qu'on va avoir une bonne ligue. Souhaitez-vous tenter l'examen de maîtrise de la ligue Pokémon? Oui. Vous êtes Julien de l'Académie Raisin, n'est-ce pas? Je vois que vous possédez les 8 badges d'arène. Parfait, veuillez entrer s'il vous plaît. Ok. Let's go. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir. Bien, asseyez-vous. Ça fait grave peur. Je peux pas aller plus loin. Ouah, genre en mode. Les flics, quoi. Je suis Cayenne, votre examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. Ah, c'est pas que des combats. On va voir. On va commencer par l'épreuve orale. Ah, oui, les badges. Vous avez les 8? Parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Attention, si vous répondez à côté, vous serez recalé. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est différent, j'aime bien. Ça change. Alors, on commence. Par quel moyen vous êtes venu ici? À pied, en Pokémonture, en taxi volant. En Pokémonture. Intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre académie? L'Académie Raisin. J'ai peur d'avoir répondu faux pour la Pokémon Tour parce qu'au dernier moment, je suis arrivé à pied, pile devant. Je note. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Ligue aujourd'hui? Je veux atteindre le rang maître. Oui, c'est évident. Pour quelle autre raison vous seriez venu? Et qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous aurez atteint le rang maître? Je veux trouver mon trésor. Ah oui, vraiment? Sous-entendu ce qu'il y a dans la zone 0. Hein. Au fait, quelle arène vous a le plus posé de problème? Oh, je connais pas les noms. Il y en a... C'est laquelle la psy? C'est laquelle la psy? C'est quoi le nom de l'arène psy? C'est Levelon... Alfornira, Frigao... Mesclameora. Ok, on va dire ça. Ah, vous êtes pas d'accord entre vous. Oh, d'accord. Quel est le nom ou champion de cette arène? Ouah, heureusement, il n'y a pas du temps. C'est quoi le nom de la championne psy? C'est pas Combou? Ou Tully? Non. C'est Tully, je pense, non? Et si je me plante, je me bats contre elle, il se passe quoi? Parce que moi je veux te fight, hein. C'est Tully, d'accord. C'est à la fin de l'examen. Le personnel vous donnera les résultats, merci de votre participation. Sur ce, à bientôt. Non mais il nous a fait quoi, là? Je me suis planté? Fail. Ainsi les résultats de votre maîtrise. Malheureusement, vous avez échoué. Mais... Sur quoi je me suis planté? Le nom de la reine? Dites-moi le vrai nom, s'il vous plaît. Dites-moi le vrai nom, on va pas faire ça à Milan. C'est quoi, Eri, le nom? Le troller, là, dis-moi le nom. Oui, au pire, je vais regarder la carte, en fait. Bah, trop tard. C'est Alfernera. Alfernera, ok.
Faut tout recommencer? Est-ce que je suis vraiment venu à pied par contre? Je rentre, je suis pas sur ma monture. Du coup, je sais pas. Attends. Ok. Je suis Cayenne. Ok. Est-ce que je dis que je suis venu à pied? On va dire à pied. On va dire à pied. Intéressant. Quand elle dit intéressant, je crois que c'est juste. Quand elle plisse des yeux, je crois que c'est bon. Mais alors là, Enfin, c'est quoi la bonne réponse? C'est une appréciation personnelle, non? Bah, je veux atteindre le rang maître. Aïe. Non, je sais pas. Je veux atteindre le rang maître. Je veux trouver mon trésor. Ça, je pense qu'ils aimeront bien. Ouais, elle plisse des yeux tout le temps. Donc, le machin de Alfornera. Oh là! Bravo, vous avez une bonne mémoire. Ok, vous vous souvenez du type que les Pokémon Fusion ont en commun? Le psy. C'est bon. Magnifique. Pour arriver jusqu'ici, vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures. Ça signifie que vous avez aussi rencontré plein de Pokémon. Vous voyez le fait que déjà toutes les villes aient le même nom, et en plus qu'on les... On les retient pas vraiment parce qu'on y passe en coup de vent, voilà où ça mène après. Ça signifie que vous avez rencontré plein de Pokémon, du coup, ouais, très bien. Est-ce que vous vous souvenez de la catégorie de votre premier Pokémon? Bah quand même! Oui. Pokémon Chaplante, oui, c'est mon starter. Je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Vous pouvez me rappeler ce que vous comptez faire si vous atteignez le rang maître? Je veux trouver mon trésor, on a dit. C'est pas ce que j'ai déclaré au début. C'est pas ça? Ah oui, c'était ça. Non, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Au tout début du jeu, je crois que j'ai dit je veux devenir le plus fort ou quoi à l'académie. Dernière question. Est-ce que vous aimez les Pokémon? Non! Oui. Sinon, je jouerai pas à ton jeu. Ouais. Pfiou. Ça y est, je peux souffler et reparler normalement. Mais ça sert à quoi de faire ça? Sinon, je peux pas me fight? Enfin, je sais pas. L'oral est enfin bouclé. Assez particulier. Vu tes résultats, on peut dire que t'as assuré. T'as réussi la première épreuve de l'examen. Je pensais que t'allais réussir du premier coup, par contre. Oh, bah, oh. Bon, maintenant, faut passer à la suite. Pour ta deuxième épreuve, tu dois battre. Voilà, merci. Ok. Bon, c'est ok, mais inutile. Mais ça rajoute un truc, donc c'est bien. Tu dois battre les membres du conseil 4. C'est ce qu'on appelle l'épreuve pratique. Ouais, le nom vend pas du rêve, je te l'accorde. Attendez, petite pause. On va changer le nom du titre. Je vais mettre la Ligue Pokémon. Voilà. En gros, tu vas affronter les 4 dresseurs du conseil à la suite. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Prépare-toi bien. Quand tu le sens, va dans la pièce au fond. Ok. Allez. On est parti. Est-ce qu'il va y avoir quand même un décor et tout en fonction du... J'espère. Vraiment, la ligue de la 6G... Oh, bah... Pas vraiment. Oh, c'est dommage. Peut-être qu'ils estiment qu'en 3D, ça ferait trop kitsch. Ou alors si, c'est peut-être type O. Je sais pas. T'es quoi, toi? Bon, on s'y met? Ah oui, bah c'est vrai que c'est elle d'abord. C'est moi qui ouvre les hostilités. Tu sais, en fait, je t'aime bien. Mais c'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Je me disais bien, elle, c'est une membre. Attends, mais j'ai pas pu! C'est pas grave. Est-ce qu'ils ont chacun un type, comme d'habitude, ou pas forcément? Barbicha. Type O? Parce que c'est bleu autour?
Ok. Ça y est, on va enfin se battre. T'as intérêt à te montrer à la hauteur. Ok, bah il faut que je sorte mon type plante ou mon type électrique. Bah Barbie chat, 57, ok. Au sol, donc je dirais plante. D'une grosse musique, mais la salle est partie. J'avoue que je préférais quand c'était vraiment très décoratif autour, hein. Mais pourquoi pas, ça a son charme quand même. Ok, donc si c'est que des plantes, on peut le laisser, je pense. Camérupt, mais c'est, elle est championne de type sol, elle est pas du tout championne de type eau. C'est sol. Donc lui c'est feu sol. Donc bah, et d'ailleurs ça me dit plus, Camérupt on l'a déjà affronté, mais là ça me dit pas si c'est super efficace ou pas. C'est marrant ça. Donc en vrai sol qu'est-ce qui est efficace contre le sol? L'eau bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus intelligent à faire en fonction? L'eau, ouais. L'eau, on est d'accord. De toute façon, pour tous, on va garder lui, du coup. Sauf le premier. En fait, même le premier, j'aurais pu, mais bon. Au moins, il est transformé. Ah, la musique, elle tend, hein. On n'est pas très haut niveau, hein. Ça va, on est à leur niveau. Ok. Dunfan. Continue sans changer. Ok, c'est un Dunfan classique. Ok. Ok. Ok, ok. Ça heal toujours pas, il ne heal pas dans cette version, vous avez remarqué ou pas? Ma caméra qui est toujours sur les dresseurs tout le temps. Il ne heal pas du tout dans cette version. Miscarade, je prends champ herbu. C'est bien ou pas? Oh non. Non. Trio piqueur, on continue sans changer. Vas-y, hydro-queue encore. Tempête de sable. Qu'est-ce qu'il est classe notre Pokémon. J'aime tellement. C'est mon coup de cœur de cette génération lui. Un peu comme Salarsen il y a 3 ans. Déjà. Ok. Je prends un peu de dégâts. Et du coup le dernier c'est un Terrestre. Donc Terrestre il est sol poison. Donc en soi, on va garder pour le moment. De toute façon, au pire, on se régénérera après. Pour l'instant, pas trop de soucis. T'assures, mec, je kiffe ton style. Terrestre. Est-ce que ça, c'est l'évolution de Marest ou c'est juste l'évolution de Axolotl d'ici? Non, on n'en a pas forcément besoin. Pour l'instant, on va pas utiliser la Terra Cristallisation parce que n'oublions pas qu'après... Imaginons j'en ai besoin sur le dernier de celui-ci. C'est juste l'évolution d'Axolotl, ouais. Donc elle va le faire cristalliser. Ok. De toute façon, ça booste. Enfin, ça va booster que son attaque. Mais on est d'accord que ça booste pas ses stats, genre de PV, de machin, de défense. Donc au final, il a absorbe eau. Ok, il a absorbe eau, merde. Ok, shit. Du coup, il est sol, poison, poison, fée ou acier, un des deux, je sais jamais. Mais en tout cas, c'est notre... C'est notre pote.
Ou combat, non? Attends, poison, c'est combat ou acier? Putain, je sais. J'ai toujours du mal. C'est acier, hein. Ah, c'est juste sol. Ah oui, c'est juste sol. Donc, en vrai, oui, il est juste sol, là, puisqu'il est cristallisé. Donc, en réalité... juste sol, bah, j'aurais dit Miascarade et magie florale. Hein. Parce que là, il n'est que sol. Si, il était que sol. En fait, vous avez toujours pas compris le principe de la cristallisation. Quand il cristallise, il prend le type du cristal. Donc il était sol. Poison, il n'est redevenu que sol. C'est pour ça que ça a été super efficace. En fait, vous avez toujours pas compris le principe de la cristallisation. C'est ça, en fait, la cristallisation. Donc là, il n'était que sol. Et du coup, c'est win. Malvalam peut avoir un coup psycho. Oui, à la place de Danse Lame, en vrai. Oui, allez, go. Go, 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 go. Ça, on est attaque psy, c'est bien. Si en soi, on n'a pas une cité folle, mais... Ok. Vous avez battu Cayenne, du Conseil 4. Quand il terra cristallise, c'est pur du cristal, c'est ça. Pas mal, j'avoue. Je vais juste relancer le son qui, comme d'hab, buguette un peu. 12 000 Poké-Dollars en récompense. Ok. En bain de smoke, je le garde, on sait jamais. Le premier, c'est fait. Terrible désillusion. J'avais aucune chance de gagner. Mais en vrai, j'ai bien kiffé le combat. Après, je te préviens, il n'y en a pas beaucoup des dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique. Mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver. Ta prochaine adversaire sera encore plus forte, alors t'as intérêt à t'accrocher. Allez, c'est à toi de jouer. J'arrive! 2 secondes, je voudrais me... Ah, c'est dans la même salle en plus? Bah, Cayenne, t'as perdu? Eh ouais, je te préviens, il se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder. Ah, c'est pas mal ça. C'est comme si c'était fait. Alors, elle... Oh, t'aurais pu caler un... Elle, ça sent le fait, je pense. Hein. Je pense, je sais pas. Peut-être que je me trompe totalement. Écoutez, on va le tenter comme ça, on verra bien. Je dois affronter Poppy du Conseil 4. Allez. Est-ce que son gros logo veut pas dire un truc? C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici, mais c'est déjà l'heure de dire au revoir. Parce que mes Pokémon sont super forts d'abord. Ces attaques, elles ne leur feront pas un seul bobo. Allez, je vais te les présenter. Acier. Acier. Il est full acier, Pachiradza, non? Donc il doit être, elle doit être acier. Acier pur, ouais. Ouais, on va changer très vite. Hein. Bah, pour faire ça, autant crever et lui mettre un peu de dégâts. C'est pas grave. On va switcher sur Malvalam, mais si j'avais switché maintenant, il aurait pris un dégât, donc ça m'aurait emmerdé. Donc c'est pas grave, on la ressuscitera. Une des premières fois où elle se fait éclater comme ça. Malvalam, du coup. Dommage que ce soit dans la même salle. Faut combat ou seul. Ouais, on a pas mal de Pokémon qui peuvent le... On a quand même pas mal de Pokémon. On a aussi notre dragon qui a des attaques sol et tout. Donc on a quand même pas mal de choses. Hein. Archéodong. On change pas. Psy-acier. Vas-y.
Ok. Les salles sont comme ça, je sais pas. Attention quand même. La mampenne. Ça va qu'on régène grâce à la mampenne. Ok. On va repasser à 100 PV à peu près. Ouais, non, un peu moins. Musique du conseil 4, je la trouve pas très impactante. Mais après, le truc, c'est que c'est long. Donc, si c'était une grosse musique, tu vois. Corvaeus. Corvaeus, c'est acier vol. Ouais, c'est lui. Je me rappelle, on l'avait dans l'équipe dans les 8G. Faut que je passe avant pour régène. Ok, bon, on l'éclate, hein. Littéralement, on l'éclate pour l'instant, ça va. C'est pas rapace, mur de fer. Oh, bon, alors là. C'est que lui ou c'est toute l'équipe? Il va augmenter sa défense. Mais elle les heal pas, je comprends pas. Personne n'utilise de potion dans cette version, vous avez remarqué? C'est quand même bizarre, hein. Personne ne se heal. C'est fou. Il n'y a pas de heal côté adversaire, mais c'est trop bizarre. Je crois qu'ils enlèvent des fonctionnalités magnozone. Parce que là, du coup, on la défonce, quoi. En plus, ils font des trucs genre mur-lumière et tout. Hein. Là, franchement, depuis qu'on a l'âme en peine, on les... c'est fou comme il a glow up. Parce que Nitro Charge, il était là, mais bon, il faisait pas trop non plus des dégâts de dingue. Et là, depuis... Mais les niveaux sont pas si élevés que ça, là. Hein. Ils sont 58. Je veux dire, on a refait la 1G il y a pas longtemps. Notre rival, à la... Peter, c'est 60 et quelques. Et notre rival, c'est 65. Hein. Donc, ils sont pas si au niveau que ça. Sinon, ils sont dans la moyenne. Hein. Ils sont pas si au niveau, je trouve. 59, c'est ok. Hein. Ah, par contre, on en a plus qu'une. Ah bah, très bonne idée, tu me le rends x 4. Tu me le... Enfin, tu me, x4, tu me le mets full acier, c'est très bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas claqué les terra cristallisation. Parce que je me dis, imagine sur le dernier ou quoi, c'est super dur. Il aura des Pokémon de tous les types. Je sais pas lequel encore je vais cristalliser, j'ai pas envie d'utiliser son cristal. Et même là, il n'y a pas la musique, le waouh, waouh, c'est bizarre. Je trouve. Ok. Je suis sûr qu'elle aurait trousse là. Ah non, elle l'a pas. Ok. Le deuxième, c'est fait. Ouais, il n'y a pas de public, certes. Ah oui, ça vient de ça, en fait, le waouh, waouh, c'est vrai. Bon, 2 sur 4 ou 5, je ne sais pas, ça dépend s'il y en a un derrière, genre un Menzi ou... On verra bien. Mais je voulais laver le front qu'il t'a fait. Oui, vas-y, lave le front. Lave le front. Mon front est propre, tu sais. Bref, t'as perdu, maintenant, faut que t'appelles le prochain adversaire. Ça va être le blond. Le blond, c'est quoi? C'est type électrique? Youhou, monsieur, c'est à vous. C'est qui, lui? Ah, on l'a déjà vu, lui. On l'a déjà vu ou pas, lui? Oui, on l'a vu, lui. Mais t'es le champion d'arène? Mais c'est le champion d'arène, pourquoi il revient là? Il a double poste. Il est toujours type normal, parce que si c'est type normal, du coup, bah on a des bonnes attaques maintenant. Ou est-ce que là, en fait, il a une double équipe aussi? Pourquoi champion d'arène et conseil 4? Je sais pas. Si encore il y avait du temps qui était passé, j'aurais compris, genre Koga, tu vois. Du coup, alors, non. Qui... Ouais, bah, Soleil et Lune, c'était nul, hein, donc c'est vrai que je me base pas sur ça.
On a lui qui pourrait faire close combat. On a lui qui pourrait faire balayage. Ouais. Oui, je recharge les PP. Alors. En espérant que ce soit toujours type normal, on verra bien. On va bien voir. Tiens, c'est toi. Comme tu peux le voir, j'assure la permanence au conseil 4, même si je m'en passerai bien. Dans mon arène, au moins, je peux utiliser un Pokémon type normal. C'est un type qui me ressemble, tu as dû le remarquer. Eh merde. Ici, la hiérarchie m'a obligé à me spécialiser dans un type différent. Ça ne te plaît pas? Fais-moi plaisir et va te plaindre auprès de la chef. Bon, c'est pas tout. Je dois me mettre au travail. Les RTT, ça se mérite. Je le savais, hein, de toute façon. Je vous voyais ne pas dire le type. Donc, ne pas me dire oui, c'est normal. Donc, je savais que c'était pas ça. Mais bon. Allez. Qu'est-ce que ça va être? Il est plante, il est vol. Il est quoi, lui? C'est vol? Eh oui, manager d'une équipe de type vol. Bah merci de me le dire. Bah t'es dans la merde quand même. Tiens, cadeau. Ouais, alors ça fait pas des grosses attaques, donc on va quand même changer très bientôt, hein, mais... Ah, il est plan de vol, lui. Hein. De toute façon, il régène pas, donc bon, c'est pas compliqué. Zenith, il va nous faire un petit ultra... Voilà. Allez. Ça passe. Tropius, c'est fait. L'autre, ce sera dragon ou électrique. Je sais pas où fait, j'en sais rien, on verra. On verra bien. Alors. On voit un Étouraptor. Changer de Pokémon. Allez. Ouais, ça fait pas mal parce qu'il est plante, bien sûr. Glévodo! C'est parti! Alors j'aurais pu prendre l'autre aussi type vol, mais... Je me suis fait un petit plaisir, là. J'ai fait une bêtise. J'aurais peut-être pas dû. Ah, bâtard. Il va me fumer. Ah, il va me fumer. J'ai pas un truc qui peut aller plus vite. Non, bon, c'est pas grave, tant pis. Oh, il refait close combat. Il veut pas le rater, non, il peut pas le rater close combat, c'est vrai. Ok. Bon, on va envoyer du coup l'autre. Au pire, on a des rappels. Bah, le problème de lui, c'est qu'il est pas très rapide. Ou alors, c'est Étouraptor qui est très rapide, peut-être, je sais pas. Ah! J'ai oublié d'enlever vent violent! Ah non, on s'en fout, c'est l'électrique là que je veux. C'est pas grave. Mais c'est ça aussi qu'il fallait qu'on enlève, c'est vent violent. Faut qu'on le fasse avant le prochain combat. Naltaria. Oh, vous déconnez! Ah bah non, mais si, c'est bon. Tiens. Alors, en soi, j'aurais pu rester avec lui, hein, mais bon. Vent violent, c'est cheat, mais la précision, bof, quoi. Câlinerie. Oh, dis donc. Oh, merde. Qu'Altaria, c'est un dragon. Quand même. Altaria. Ok. Plumeline. On va renvoyer Fulgaro. Plumeline, il est quoi? Plante? Vol plante?
Volfé. Ah, Volfé peut-être, merde. J'aurais peut-être dû laisser. Il était peut-être Volfé. Il y a moyen que ce soit Volfé. J'aime bien comment il lui envoie à chaque fois. Danse éveil. Ah, vol électrique. Ah ouais. Bah, en attendant. L'électrique, ça marche un peu. Pas beaucoup, mais ça marche. Danse folle. Oh là, oh là, ça me rend confus. C'était sûr. Ça dépend de la forme, ouais, c'est ça. C'est le plumeline, quoi. Allez, vas-y, passe, s'il te plaît. Allez. C'est bon. Ok. Nickel. Plumeline ennemi et KO. Flamant roule. Vois pas quitter, mais c'est pas grave, tu serais pas devenu encore plus fort qu'avant, c'est bien ma veine. Flamme en roule. Ah, c'est lui. Mais il a pas d'évolution lui du coup. Bon, il va le terra cristalliser, donc on s'en fout, il devient que vol. Il évolue pas celui-là. Ok. On est plus confus, vas-y. Ok, très bien. Il est de mon devoir d'adulte de demander de prendre garde à ma prochaine attaque. Qu'est-ce que c'est? Ah! Et ça blesse, non? C'est pas très efficace sur moi, du coup. Et toi, ça te blesse? C'est bon, c'est win. Troisième du conseil 4. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'un ou est-ce qu'il y en a un plus un derrière? Bon, moi, je soupçonne qu'il y en a encore un autre derrière, mais bon. On arrive au quatrième. Ça va être le blond. Et après, ce sera certainement madame je sais plus quoi. Vous avez battu Okuba. Donc, le blond, s'il n'est pas électrique, je sais pas ce qu'il est. Hein. Je dois dire que tu n'as pas volé ta victoire contre mes Pokémon oiseaux. Ok. Je t'ai mal jugé. Je comprends l'intérêt que te porte notre chef. Alors, il ne te reste plus qu'un adversaire à affronter. Ah ça, je vous en prie, il est à vous. Tiens, il vient pas. Je crois qu'il ne vous a pas entendu. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a une douille pendant la ligue. Ah ça, s'il vous plaît. Kuba, faut monter un peu le volume. Ah ça. Ah ça, c'est à vous. Il est sourd. Julien, je suis ravi de vous voir ici. Ils ont fait juste une blague sur le vieux. Okuba, combien de fois devrais-je le répéter? C'est à vous de m'appeler, pas à Cayenne. Ouais, normalement il y a un maître après. Mais ça dépend des versions. Il y a des versions où. Avant il y avait toujours un maître. Puis après, des fois il y avait que le conseil 4. Et puis voilà, c'est tout. C'est déjà arrivé, hein. Mais donc, ouais, normalement, il y aura le maître derrière. Donc, je pense que... Il y a toujours eu un maître. J'ai un doute sur ça. Mais peut-être que oui. Ça peut être arrivé là, après tout, elle est au remettre. Oui, je pense que oui. Hein. Mais moi, je pense que ce sera peut-être celle avec les longs cheveux, là, qui est ultra stylée. Toujours cette merde, là. Je suis désolé, mais vraiment, c'est... j'ai l'impression... Voilà. Et donc, du coup, comme on avait dit... Aéropic, c'est pas incroyable, hein, le truc. C'est ça, quoi, mais... C'est juste que vent violent, la précision... Ouais. Voilà, et on va se remettre une huile sur Boulelec vu qu'on a beaucoup d'huile. Et non, on n'a pas la lame d'air, non, je crois pas.
Non, non, on avait regardé déjà. Non, non, on n'a pas l'âme d'air. Hop. Ok. Du coup, lui, il est quoi? Électrique? J'en ai aucune idée. On va partir du principe qu'il est peut-être électrique vu qu'il est blond. J'en ai aucune idée. C'est peut-être très nul comme, comme réflexion, mais... Je pourrais aussi dire qu'il est feu avec sa chemise. J'étais certain qu'un jour Loulou finirait par arriver ici. Je dois dire que la croissance fulgurante des jeunes pousses ne cesse de m'impressionner. Je vous avoue que je ne pensais pas vous revoir aussi rapidement. Un enseignant se doit de guider ses élèves au mieux, pour les aider à progresser. Cependant, il me faut oublier ce rôle le temps de notre affrontement. Car il est de mon devoir de tout faire pour vous vaincre. Le dragon. Bon bah, ok. Classico classique. C'est pas grave. On a ce qu'il faut, vraiment ce qu'il faut pour t'éclater. Découvrez la puissance du dernier rempart, l'épreuve pratique, le dragon du conseil 4. J'espère qu'il y a une belle musique. Laissons-nous porter par la souffle épique du combat. Non. Ok. Alors, au début on est dragon contre dragon, donc on va prendre cher, mais on a le type fée derrière, donc ça va le faire. Et de toute façon, on a une attaque glace. Le problème c'est qu'il va attaquer avant. Bon en fait je sais pas pourquoi mais je fais une attaque glace mais j'aurais dû faire une attaque dragon dans tous les cas. Hein. C'est dragon contre dragon. Ouais ça, ça passe mieux, ça passe mieux. Nickel. Ok voilà, comme ça, maintenant on switch. Hop, il va envoyer un pomme drapi. Vas-y on change. On envoie Forgelina. Et alors là pour le coup... Je pense qu'on n'aura jamais autant besoin que maintenant de ce que je vais faire. Si jusqu'à maintenant j'hésitais, là je suis à peu près sûr de moi. On terra cristallise en fait. Voilà les dragons, faut quand même faire gaffe. Hein. Tu peux vite te retrouver dépassé par un dragon si tu gères pas. Donc, je préfère taper le plus fort possible dès le début. Trouve drapi les plantes, je crois. Oui mais il y a le maître, c'est pas grave, on aura, nos autres terra cristallisation quand même. Là je préfère l'optimiser là-dessus. En soi, franchement, je trouve, alors maintenant qu'on est à la fin du jeu, je trouve que la terra cristallisation, c'est cool, c'est très beau, mais en vrai de vrai, je trouve pas ça si broken que ça. Ok, ça nous booste un peu. Oui, c'est un only. Oui, non, je veux dire, on pourra plus l'utiliser contre le maître, mais c'est pas grave. Parce que je veux... C'est pour ça, d'où mon argument, donc. Je trouve pas ça si fumé. C'est-à-dire que vraiment, je vois pas une si grande différence entre... comment dire? Entre quand on est terra cristallisé et quand on n'est pas cristallisé. Donc en vrai, ça va, quoi. Je trouve que c'est ok. Que je suis plus rapide, ouais, je suis plus rapide. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ouais, le point poison, ça c'est chiant. Ok. Il y a la peine de l'avoir terra cristallisé. Ah bah, il m'a quand même one shot le deuxième. Ah non, c'est parfait, moi ça me va, ça me va. C'est ok. Hein. Il en reste plus que 3 déjà. Bon, on va continuer, mais je pense qu'il faudra switcher mes tranchodons si j'ai pas de conneries. Il est. Insecte. Enfin, moitié insecte, non, il a une gueule d'insecte quand même. Ah non, il est juste dragon pur. Ok, ok. Insecte dragon. Ouais, juste dragon. Alors, j'ai les deux versions. Donc, je ne sais pas. Qui va mettre en attendant? Qui va me servir le moins dans ce combat? Dragon pur, c'est toi qu'il faut qu'on réanime. Très clairement. Ok.
Ça l'a soigné. Pas Malvalam, mais j'ai pas vu écrit oui c'est bon. Si, je pense que c'était bon. Oui, si, c'est bon. Ok. Il est plus rapide. Ok. Ah non, 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 fais pas ça par contre. Oh! Supportable! Même. Ok. C'est normal que ce soit un peu plus dur contrôler quand même, c'est les dragons. Heureusement que c'est plus dur. Et encore, il se heal pas, donc bon, on va te dire. Kalinri. Allez, s'il te plaît, n'aie pas la trouille. S'il te plaît. C'est bon. Et alors, son dernier, c'est quoi? Est-ce que ça va être le mien? Eh ouais. Donc ça va être un Glévodo 100% type dragon. Vu qu'il va le terra cristalliser. Donc. On va switcher. On va switcher, on va switcher. On va se heal. Comme ça on pourra revenir ensuite. La réussite est à portée de main. Courage, continuez comme ça. Glévodo! Salut copain! Et je vais essayer de raise le dragon aussi. Que ce joyau de terra cristal devienne ta couronne. Symbole de ta majesté. Ça, le x4, il pourrait faire mal. La couronne dragon, elle est stylée. On dirait Dracofeu, mais bon, c'est pas grave. C'est clairement Dracofeu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme attaque? Ok, je connais pas. Ok. Bon, attention, j'étais sûr qu'on allait mourir là, mais... Du coup, est-ce que Kalinri peut passer? Il est x4. Ça peut en tout cas bien lui faire mal si ça passe. Ah putain. C'est bon. Ouais. L'attaque baisse, ça c'est bien. Il est con, il fait casse-brique, il est con. Il est trop con. Il est débile. Bon bah c'est win. Il est débile. Il est débile. Il s'est auto-tué, il s'est auto-suicidé. Bon bah voilà. Le Glévodo est KO. Bien. Il a peut-être que ça qui touche. Ouais, après il avait son gros truc dragon, il aurait pu essayer de passer en force, mais je pense... En fait, c'est juste, ça m'aurait peut-être pas fait plus de dégâts. Mais ça lui aurait pas baissé son attaque déjà. Donc je sais pas. Oh, dragon, oh non. Bon, du coup, il nous reste le maître. Alors, est-ce que ça va être la fille trop stylée ou est-ce que ça va être Menzi? J'espère que c'est pas Menzi, pitié. J'y crois pas, il l'a fait. Eh ben ça alors. En fait, eux, on les a tous rencontrés au fur et à mesure de notre aventure, donc c'est sûr que c'est l'autre fille. C'est si merveilleux. Je suis tellement ému. Oh, oh bah, monsieur Assa, faut pas pleurer. Non, c'est Casse-Brique qui baisse l'attaque. Kalinri, je le fais tout le temps et d'habitude, non. Allez, c'est pas grave. C'te honte. Fais pas attention à lui, Julien. Ça lui arrive parfois de craquer. C'est l'émotion, vous comprenez, je peux pas retenir les larmes. Oh là là, bon, si j'ai bien compris, c'est à moi d'annoncer le résultat de l'examen. Bon, tu vas t'en douter, mais tu as réussi. Youpi, c'est super, top super. Oui. Toutes mes fils. Par contre, je trouve ça cool qu'ils restent. Je trouve qu'ils ont un peu plus travaillé l'aspect personnalité des gens. T'as assuré. Par contre, l'examen de maîtrise, il est pas encore fini. Il te reste encore l'ultime épreuve. Tu vois la porte au fond?
Derrière est le boss final du conseil 4. La dernière examinatrice. Fais gaffe, elle est super balèze. Aucun de nous 4 lui arrive à la cheville. On s'en est rendu compte quand elle a testé nos skills avant de nous recruter. Mais bon, t'as réussi à me battre, donc je suis sûr que tu vas gagner. À l'aise. En plus, je te donne un petit coup de pouce. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Ok. Ah. Eh bah, tu sais, moi j'aime beaucoup tes Pokémon. Alors je vais t'encourager toutes mes forces. Ok, donc le vrai combat est là. Au dragon bien-né, la valeur n'atteint point le nombre des années. Oula. Il m'a fichu les jetons, ça y est, il a fini de chouiner. Je suis certain que vous allez y arriver. Partez maintenant, suivez votre destinée. Qu'importe votre taille et votre âge, la victoire est à votre portée. S'il vous plaît, un très beau décor et une très très belle musique. Et ça fera tout le charme et l'épicness. On va mettre lui devant pour la strat habituelle. Je relance le son, comme ça, si jamais le combat s'éternise, on sera bon. Et on est parti. Le maître. La dernière épreuve. Oui. C'est parti. Ah, sur le toit, bon. Pourquoi pas, en soi. Et c'est elle, évidemment. Yes! C'est clairement le perso le plus stylé de la version. J'espérais que ce soit elle. Et c'est elle. Je te souhaite la bienvenue, Julien. Cela me fait énormément plaisir de te revoir ici au sommet de la Ligue Pokémon. Ta dernière épreuve est un peu plus simple. Tu dois te battre contre moi. Il y avait une ambiguïté sur est-ce qu'elle juste elle est un peu un genre de chéreuse, genre elle dirige le truc mais elle se bat pas, ou est-ce qu'elle se bat? Non, si, elle se bat. Vaincre la maîtresse en chef est la condition sine qua non pour réussir cet examen. Cependant, avant d'aller plus loin, permets-moi de te donner un petit avertissement. J'ai beau être la présidente de la Ligue Pokémon, je m'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis, et je donne tout pour m'emparer de la victoire. En conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen, à mon grand regret. Néanmoins, je sens bien que tu es différent. Tu me rappelles Maître Smenzi, au fond. Pour toi non plus, rien ne me semble impossible. Mais Menzi doit être cheaté aussi, parce qu'elle se bat pas avec sa vraie équipe contre nous. Mais puisqu'elle a vaincu ça, certainement qu'à un moment donné, on va avoir un combat contre Menzi avec sa véritable équipe de Ligue. Trêve de bavardage. Es-tu prêt? Montre-moi toute l'étendue de tes talents. Alisma, la maîtresse en chef, veut se battre. Ok. J'espère sincèrement que tu m'arracheras la victoire afin d'atteindre le rang maître. La musique est déjà un peu mieux. Elle attaque avant. Très bien. Très bien. Ça commence bien. Donc ça, c'est un type... C'est un type fée, ça? Je sais plus. Ah non, c'est un type psy. C'est un type psy, oui. C'est un type psy. Donc... Je sais pas pourquoi je le vois psy. Parce que je le vois... Mais attention, psy est... Alors moi, perso, psy et fée, je les confonds un peu. Franche-lui. C'est bon. Excellente offensive. Continue comme ça. Bravo, tu as défoncé mon Pokémon, il souffre. Bien joué. Bon, c'est pas non plus une musique incroyable, mais bon. Qu'est-ce que tu nous envoies? Chevroom. Chevroom, c'est un type plante. Je ne dis pas de conneries. Donc, Malvalam devrait convenir, je pense. On est bien d'accord, c'est un type plante, hein. Chevroom, c'est la chèvre. Oui, plante, ok. Bon, de toute façon, j'avais déjà envoyé. Malvalam, vas-y. Ok, Chevroom. Lame en peine. Je pense qu'il sera plus rapide. Non, même pas. Ok. On passe et on termine. Le fait qu'ils ne se soignent pas, c'est... Alors ça, par contre, je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Ça enlève tellement de difficultés, en fait. Ok. Seracrawl. Seracrawl, c'est glace. C'est glace ou acier. Dans les deux cas, je suis bon.
Ok, pour l'instant on est bien. Hein. Là, m'en peine. Ouais, je suis plus rapide évidemment. Ok, on se heal en même temps. Ok, l'énergie du sacro l'ennemi est drainée. Que t'arrive-t-il? Ça ne te ressemble pas de baisser ta garde comme ceci. Ah bah. Vas-y, la m'en peine encore une fois. J'attends de voir ce qu'il va y avoir de très très compliqué ici, parce que quand j'ai utilisé ma terra cristallisation, vous avez tous dit rip le maître. Sous-entendu, il y a un truc impossible à passer sans cristalliser, donc j'attends de voir. Du coup... Tu peux cristalliser, elle t'a soigné. En plus ! Oh bah voilà. Bah oui. Bon bah voilà. Attends, qu'est-ce que... Blablabla, je sais plus. C'était quoi lui, on a dit ? On va passer en force. Ah, glace, putain ! Je sais jamais. C'est poison ou insecte ? Oh, de toute façon, vu ce qui reste, j'ai envie de te dire, on va juste le fumer. Voilà, ça va. Oui, je peux recristalliser en plus, donc c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as ? Un délestin. Je vois même plus qui c'est lui. On l'a pas eu dans l'équipe à un moment donné, délestin. C'est pas Minecraft. Ah, c'est le harceleur. C'est le harceleur. C'est le harceleur, c'est le harceleur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est le harceleur. El famoso. Bien sûr, donc soit lui, soit notre ami starter fera l'affaire, hein, de toute façon. Boulelec. Et on est vraiment pile poil au bon niveau, je trouve ça c'est bien. Il va prendre pour tous ses potes, exactement. Ne gèle pas, s'il te plaît. Je me fais pas trop de soucis, hein, pour l'instant, je vous avoue. Ça me semble à peu près ok. Scalpereur. Celui-là, je le connais pas. Scalpereur. Me dites pas le type, hein. Mais Scalpereur, insecte. Insecte ou acier, j'aurais dit scalp. Bon, on va envoyer le dragon, on verra bien. C'est l'évolution de quoi, de Scalp 3. Il est dégueulasse. C'est un ninja, j'ai bien compris, mais... Hein? Attends, mais Scalp 3, il est pas insecte? Putain, je connais jamais ce Pokémon de merde. Ah oui, d'accord, non, pas du tout. Samouraï, ouais, pas ninja. Putain, mais pour moi, il est insecte à chaque fois, Scalproi. Il a une gueule d'insecte. Il a une gueule d'insecte d'ouf. Acier et ténèbres. Ouah, bah dans ce cas... Ténèbres, c'est insecte qu'il faut faire, je sais jamais. Ou c'est poison. En fait, je pense que là, il faudrait que je le ressuscite, je pense. Sinon... Oui, c'est combat, pardon. Je comprends, je crois, putain, ce type-là. Ah, j'aime pas du tout sa gueule. Oh, tu déconnes. Ah non, recommencez pas. Bah, c'est l'évolution de Scalproi, je pense. Hein. Ok. Il en reste plus qu'un, non? Flore éclat. Fée. Je pense. Fée ou plante, hein. Donc.
Floreclat fait, hein. C'est qui? Ne crie pas victoire trop tôt. Floreclat. C'est celui qu'on avait vu dans les leaks. Et on a eu sa sous... on a attrapé sa sous-évolution. Floreclat devient la lumière qui guide tout le... Attends, on va vite voir ce que c'est. Hein. Oh, ça veut dire que le leak où il terracristallise, que je vous ai partagé en février, c'était le leak du dernier combat? Quoi? Mais oui, c'est ça! Mais je suis mort! Ça veut dire que le... Par contre, c'est Roche, du coup, on est dans la merde. Oh, c'est pas grave. C'est bien, bon, on découvre un peu. Roche, poison, très bien, très bien, très bien, très bien. Oh, le bâtard, il a mis des trucs au sol. Je viens d'arriver, tu en es vers où dans l'histoire? Dernier combat du jeu. Non, après, il y a les trucs derrière, mais... globalement, on est à la fin de la ligue. Ok, donc du coup, bah, ça va être... si tu es Roche, mon pote... Attention quand même qu'il soit pas plus rapide que moi. Ah putain, oui, j'aurais dû terra cristalliser, c'est vrai que je pouvais. C'est bon, la ligue c'est fait. Et ce n'est pas terminé parce que maintenant on va aller à l'endroit le plus intéressant du jeu. La zone 0 dans le cratère. C'est fait. C'est win. Vous avez battu Alisma. Ils sont quasiment tous niveau 60 au final. Ton talent dépasse toutes mes attentes. Alors, est-ce qu'on va avoir un générique ou pas? Ah, la zone 0, j'ai trop hâte de voir. Quelle puissance extraordinaire. Et cette technique sans faille. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'un nouveau dresseur d'exception. Je te félicite et je suis fier de pouvoir t'appeler désormais Maître Julien. Tu l'as mérité, cette victoire. Youpi, t'as réussi! Félicitations. C'était merveilleux, quelle émotion! Il est supportable, et c'est reparti. Il est insupportable. Les dresseurs et dresseuses de Paldea sont les trésors de notre région. Et celles et ceux qui atteignent le rang maître en sont les plus précieux bijoux. Maître Julien. Je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldea. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Je pense qu'une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. On se demande bien qui c'est. Pas de générique. Intéressant.